Hello tout le monde, c'est Laurine. Hello hello tout le monde, c'est Laurine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouvel unboxing sur ma chaîne, puisque aujourd'hui nous allons ouvrir, et c'est un petit peu particulier, un CD fan-made, une jewel case fan-made, fait par une stay, puisque aujourd'hui on va découvrir une mixtape, la première mixtape des Three Ratcha qu'elle a fait. Et franchement, je dois vous dire d'avance, c'était incroyable de découvrir ça. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup le fan-made et j'ai beaucoup aimé ce projet. Donc moi je vais vous laisser avec l'unboxing et nous on se retrouve juste après pour en parler. Et vous revoilà, j'espère que l'unboxing vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié découvrir ce petit projet fan-made que je trouve incroyable et je suis vraiment pas du tout déçue d'avoir participé et de l'avoir acheté. Vraiment, je trouve la qualité assez incroyable et j'aime énormément ce que nous avons eu à l'intérieur. En ce qui concerne la jewel case, c'est assez simple, mais il faut souligner quand même que ça a été fait entièrement maison par la personne qui a fait ce fan-made et je trouve que c'est incroyablement bien fait. On retrouve une couverture, on retrouve aussi le derrière avec la playlist et les différentes chansons que nous retrouvons dans les tracklists et je trouve ça vraiment incroyablement bien réalisé. Je sais pas ce que vous en pensez. À l'intérieur, nous avons un petit fascicule qui reprend les différents crédits qu'on peut retrouver sur ce CD. Vous avez aussi bien entendu le CD qui est, je dois aussi le dire, vraiment très très bien réalisé. Vous savez, c'est pas un CD avec une feuille photo collée dessus comme on peut le retrouver sur beaucoup de petits fan-made. C'est vraiment un CD que vous pouvez écouter et ça franchement, je souligne parce que ça a été incroyablement bien fait, vraiment. À l'intérieur, bien entendu, elle a glissé des petits goodies, des petites merches, et je trouve ça incroyablement trop chou. J'aime beaucoup cette photo, cette postcard que je trouve vraiment magnifique. Elle est de qualité photo, avec un fini glacé, quelque chose de très qualitatif. Et vraiment, la photo qui a été choisie, je trouve qu'elle est très représentative du trio Three Ratcha, et je la trouve incroyablement belle. Elle est vraiment pas pixelisée, rien du tout, c'est vraiment une photo de qualité. Et j'aime ça, j'aime dans les projets fan-made quand c'est fait avec le cœur et avec beaucoup de soin. À l'intérieur, on retrouve un petit lot de 4 PC d'une qualité incroyable. Elles sont rigides, elles sont belles, elles ont aussi un fini très propre. Bien sûr, on retrouve les 3 protagonistes de Three Ratcha puisque nous avons Bangtan, Changbin, Jisung et on a même une petite photo du trio qui est très récente et que je trouve très jolie et je trouve ça vraiment super. Moi j'aime bien les petites photocards fan-made, tout ce qui est fan-made, franchement je suis quelqu'un qui soutient et ce lot de petites PC, eh bien elles m'ont beaucoup plu parce qu'elles ont vraiment une qualité incroyable. Comme vous pouvez le voir, à l'arrière des PC, on a des petites références, des petites phrases clés de chacun, que ce soit pour Bangtan, Changbin ou Jisung qu'ils ont prononcé ou qui les représentent et je trouve vraiment ça trop génial. C'est une petite touche en plus et franchement, je trouve l'idée vraiment pas mal et ça m'a beaucoup plu de le découvrir.
Et voilà, j'espère que ce mini unboxing spécial fan-made pour cette mixtape 3 Ratcha vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ça fera aussi plaisir à la personne qui a fait eh bien, ce petit projet fan-made, à la petite Stay qui a fait ça. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Et je vous invite encore une fois à visiter son compte Instagram si jamais ça vous intéresse. Elle va travailler sur d'autres projets mixtape, elle en a en cours, donc... voilà, elle a des projets qui vont arriver, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à suivre son compte Instagram. Quant à vous, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir et ça aide bien entendu la chaîne à se faire connaître. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, eh bien n'hésitez pas à le faire et à activer la clochette pour être prévenu des prochaines sorties vidéo. Je vous recommande également de me suivre sur mon compte Instagram si vous avez envie d'interagir avec moi et d'être tenu au courant de nouveautés ou de répondre aux sondages qui... sont souvent en rapport aussi avec la K-pop déjà ou avec mes vidéos, et bien je vous invite à rejoindre également mon compte Instagram. Nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, on va reprendre un rythme plus digérable de 2 vidéos par semaine. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous allez me regarder. Ciao tout le monde! À bientôt!